Déplace le point vert sur la droite graduée pour que son abscisse soit égale à 12,5. Alors, 12, c'est ici, et 12,5, c'est à mi-chemin entre 12 et 13, donc ici. Ensuite, on nous demande quel est l'arrondi de 12,5 à la dizaine. Alors, tu vois qu'ici, les dizaines sont indiquées par ces traits bleus, ici, là. Donc, ici, on a 10, et là, on a 20. Alors, de quelle dizaine le nombre 12,5 est-il le plus proche C'est ça, l'arrondi de 12,5 à la dizaine. Bon ici on voit bien que 12,5 est plus proche de 10 que de 20, donc la réponse qu'on va donner c'est 10. Alors ça ça nous aide quand même à comprendre un peu mieux ce que veut dire l'arrondi d'un nombre à la dizaine. Effectivement tu connais déjà peut-être la règle qui te dit que si tu dois trouver l'arrondi d'un nombre à la dizaine la plus proche, il faut regarder le chiffre qui est immédiatement à droite, donc ici celui des unités, et s'il est supérieur à 5 tu arrondis par excès à la dizaine supérieure, par contre s'il est inférieur à 5, tu arrondis par défaut la dizaine qui est avant. Mais ici, on comprend bien pourquoi, parce qu'on voit tout de suite que 12,5 tout simplement est plus proche de 10. Alors, on va faire un autre exercice du même genre. On va faire celui-ci. On nous demande de déplacer le point vert pour que son abscisse soit égale à 0,136. Alors, ici, on a 0,13. Et puis ici, 0,14. Donc, c'est 13 centièmes ici et 14 centièmes là. Et entre ces centièmes-là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 subdivisions. Et en fait, ces subdivisions-là, je peux les voir comme les 10 millièmes qui séparent nos deux centièmes qui sont là, 13 centièmes et 14 centièmes. Donc nous, on part de 13 centièmes et on doit parcourir encore 6 millièmes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà, jusqu'ici. Donc, ça c'est le point d'abscisse 0,136, et ensuite on nous demande quel est l'arrondi de ce nombre au centième. Donc, ici, qu'est-ce qu'on peut faire On peut remarquer déjà qu'en bleu on a nos centièmes, 13 centièmes et 14 centièmes, et du coup, la question qu'on doit se poser c'est de quel centième notre point vert est-il le plus proche et là, on voit tout de suite que la réponse, c'est 14 centièmes. Donc l'arrondi de 0,136 au centième, c'est 0,14. Et c'est tout à fait cohérent avec ce qu'on a vu dans d'autres cas. On regarde en fait le chiffre des millièmes. Et s'il est plus grand que 5, on arrondit au centième supérieur. Donc ici, 14 centièmes. Allez, on va en faire encore quelques-uns du même genre. Alors ici, on nous demande quel est le point d'abscisse 44,197. Alors, 44,197, c'est entre 44 et 45, donc ici c'est le point C. Ensuite, on nous demande quel est l'arrondi de 44,197 à l'unité. Alors, il y a plusieurs manières de, de penser à ça, on pourrait regarder le chiffre des dixièmes, et ici il est plus petit que 5, donc on arrondit par défaut à l'entier inférieur, c'est-à-dire à 44. Une autre façon de faire, ça serait de reprendre la droite graduée. Alors, le point qui nous intéresse, c'est le point C, hein, qui a pour abscisse 44,197. Et est-ce qu'il est plus près de 44 ou de 45 et On voit tout de suite qu'il est plus près de 44. Voilà, ça c'est une autre façon plus intuitive de voir les choses. Allez, on en fait un dernier. Alors, ici on nous demande quel est l'arrondi de A au millième et quel est l'arrondi de A au centième alors le point A, bien sûr, c'est ce point-là en, en vert. Alors on va regarder la graduation ici. On part de 0,07, ça c'est 7 centièmes. Et on va jusqu'à 0,08, ça c'est 8 centièmes. Ensuite, le premier tiré ici, on peut le voir comme so 71 millièmes. Ensuite, 72 millièmes, 73 millièmes, 74 millièmes, 75 millièmes, et ainsi de suite. Donc le point A, il est situé entre 78 millièmes et 79 millièmes. Alors ici le point A, il est plus proche de ça se voit ici, il est plus proche de 78 millièmes que de 79 millièmes. Donc l'arrondi au millième de ce nombre-là, eh c'est 78 millièmes. je vais écrire ça comme ça 0,078. C'est vraiment parce que A est plus proche de 78 millièmes. Ensuite, quel est l'arrondi au centième de ce nombre Eh bien alors le point A il est compris entre 7 centièmes et 8 centièmes. Et est-ce qu'il est plus proche de 7 centièmes ou de 8 centièmes Eh bien là, on voit tout de suite qu'il est plus proche de 8 centièmes. Donc son arrondi au centième, c'est 8 centièmes, donc 0,08. Bon, pour conclure, l'objectif de cette vidéo, c'était vraiment de comprendre que quand on te demande de trouver un arrondi d'un nombre au millième, eh bien, tu peux t'aider de la droite graduée et aller regarder de quel millième le nombre en question est le plus proche. Et c'est pareil si tu veux un arrondi à l'entier le plus proche, ou bien au dixième le plus proche, à la dizaine la plus proche, ou ainsi de suite.